Donc là, ils vont se retrouver sur un road car. Il y a quand même de vraies sensations. Les femmes vont adorer, à mon avis. Ça fait tout de suite pilote de course. Je vais pas y aller en costume. La combinaison, c'est impressionnant. J'ai très très hâte d'y être. Ah bah ça, il y a aucune autre hypothèse que la victoire. Ça, c'est une évidence. Je suis avec mon frère aujourd'hui. Je dois tout faire pour être devant lui. Ah ouais, moi personnellement, je suis venu pour gagner. Ouais. Et j'espère bien me faire repérer par un agent et m'en driver dans le Prix d'Amérique au mois de janvier. À partir du moment où les autres savent qu'on veut gagner, ils veulent gagner, donc comme ça. Ça donne du piment à cette compétition. Surpris, étonné, parce que je découvre les lieux en même temps que je prépare la course, donc ça fait beaucoup de choses d'un coup. Monsieur Mathieu, numéro 4. Dernier arrivé, premier arrivé à la course. Hein. Je pense qu'on reste comme ça, hein, détendu, voilà. Le temps est idéal, donc je pense que c'est impeccable. Hein. Va-t-on assister à une course tactique? Va-t-on partir très vite? Une belle place, troisième, il faut laisser un petit peu de place aux autres. On s'est fait griller. Excellente sensation. Bon, deuxième. C'est vraiment à la hauteur, enfin c'est même plus, c'est génial. Magnifique hein, comme sensation de se retrouver comme ça en pleine course. Et en fait, on a réussi à se maintenir dans le peloton et même à gagner la course. Donc on a quand même un bon coup d'adrénaline et c'est vraiment, vraiment en tout cas de très bonnes sensations et de très belles émotions. On est parti sagement parce qu'on vise une course la semaine prochaine. Donc on voulait voir comment était le cheval, on se prépare. I'm bulletproof, nothing to lose.